Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres que vous allez pouvoir mettre dans vos valises pour les vacances. C'est parti. On commence avec un roman de science-fiction, Néo, de Michel Bussy. Si vous avez aimé Le Labyrinthe ou encore Gone, l'univers va vous paraître familier, puisqu'ici aussi les adultes ont disparu et les jeunes ados sont livrés à eux-mêmes. Deux clans se forment, ceux du château contre ceux du tipi. Ils s'opposent dans leur façon de vivre, puisque ceux du château sont plutôt instruits et intellectuels, et ceux du tipi vivent leur vie de manière plus sauvage et plus libre. Un jour, une étrange maladie va planer telle une menace sur le clan du tipi, et les accusations se tournent naturellement vers ceux du château. Zizo et Alix, deux personnages que tout oppose, vont essayer de s'allier pour éviter que les deux clans ne s'auto-détruisent. Donc c'est une dystopie assez inventive, originale, signée du grand maître du polar Michel Bussy, qui s'essaye là à un genre nouveau. On va donc passer à de la fantasy maintenant. Six of Crow de Leigh Bardugo, que vous connaissez peut-être si vous avez vu la saga de Grisha Shadow and Bones sur Netflix. En effet, la série regroupe deux sagas de Leigh Bardugo, la saga des Grisha et Six of Crows, où l'on suit les aventures de Jasper, de Kaz, de Inej, de Mathias, de Nina et de Willan. Donc c'est une bande de voyous hors la loi qui se voit confier une mission un peu suicide pour une très grosse somme d'argent. En effet, ils doivent s'introduire dans le palais de glace réputé infranchissable car ils doivent libérer un prisonnier qui intéresse beaucoup l'homme qui leur a confié la mission, un chef de gang qui s'appelle Van Herk. Donc l'univers est assez sombre, le rythme est plutôt enlevé, il y a de l'action et les personnages sont complexes et attachants. Donc je pense que ça pourra vous plaire. Un petit thriller maintenant avec Cannibal de Daniel Thierry. La nuit de la fête de la musique, une jeune fille est retrouvée au bord d'une route, incohérente, désorientée, incapable de dire qui elle est. Dans la forêt toute proche, un groupe de lycéens fête le début de l'été, mais l'ambiance a du mal à décoller. Ils ont participé à une course d'orientation durant la journée, sans objet connecté, ni téléphone, ni rien. Et deux d'entre eux manquent à l'appel. Roxane et Raphaël ont disparu depuis le matin. Donc le capitaine Marin, qui est l'enquêteur principal, va mener son enquête sur l'identité de la jeune fille retrouvée au bord de la route. Et bien sûr, on va se rendre compte très rapidement que les deux histoires sont liées. Le décor est posé dès le début, une forêt sombre, la nuit, une forêt des Vosges. L'enquête aux multiples rebondissements est bien menée, effrayante, assez fascinante. Et bien sûr, on ne peut s'empêcher d'avoir le titre en tête, donc Cannibal. Quand on dévore le livre. Voilà, je l'ai lu très vite, en 2 jours, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Un petit roman un peu plus léger maintenant, Comment bien rater ses vacances de Anne Persin. Donc c'est pas très récent, il est sorti en 2010, mais j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu, donc c'est pourquoi je vous le propose aujourd'hui, et puis en plus il colle très bien à la thématique. Donc Maxime est un ado de 17 ans, il est prêt à tout pour échapper aux vacances de randonnée en Corse avec ses parents. Et donc il décide de passer ses vacances avec sa grand-mère au Kremlin-Bicêtre, donc ça fait pas très rêver, c'est la banlieue parisienne. On a vu mieux pour passer des vacances, mais c'est ce qu'a choisi Maxime car lui, ce qu'il veut c'est rester tranquille, pouvoir se lever tard, rester sur son ordi, discuter avec ses potes, vraiment il veut pas être embêté. Donc il a tout prévu pour couler des jours tranquilles, sauf que sa mamie Lucette va faire une crise cardiaque. Donc le médecin lui recommande du repos, et essentiellement du repos. Donc Maxime va se retrouver un peu livré à lui-même et va surtout devoir apprendre à se débrouiller tout seul. Et bien sûr les péripéties vont s'enchaîner. Maxime est très attachant. Il a peu d'amis, mais les deux qu'il a sont vraiment cool et il fait plein de jeux de mots. Et en plus, il a la gentillesse de nous donner régulièrement sa playlist. Donc on peut trouver des petites pépites musicales. C'est un livre léger, facile à lire et court.
Donc idéal pour ne pas se prendre la tête et passer un bon moment en vacances. Quelque chose d'un peu plus girly pour terminer, mais bien sûr tout le monde peut le lire. Si vous aimez les histoires d'amour et les belles lettres bien écrites, ce livre est fait pour vous. Donc Lara Jean, l'héroïne, conserve ses lettres d'amour dans une boîte à chapeau que sa mère lui a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu'elle a reçues, mais ce sont des lettres qu'elle a écrites. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé. Lorsqu'elle écrit pour de faux à ses crushs, Lara Jean ose ouvrir son cœur et écrire ses émotions. Chose qu'elle n'arrive jamais à faire dans la vraie vie. Sauf qu'un jour, les lettres ont disparu. Pire, elles ont été postées. Aux garçons à qui elles sont adressées. Donc le personnage de Lara Jean est hyper timide et aussi très attachant. Son entourage n'est pas toujours très sympathique avec elle, mais la suite du roman est quand même assez positive. Ça se lit très vite. Le rythme est soutenu et le style d'écriture est simple et fluide. Donc une lecture d'été idéale, romantique à souhait. Vous pourrez comparer avec le film puisqu'il y a eu une adaptation qui est sortie sur Netflix il y a 2 ans. Voilà, je vous ai présenté 5 idées de lecture pour vos vacances. Des livres qui vont vous changer les idées, qui vont vous permettre de vous évader dans des aventures folles ou sympathiques, à bouquiner sur la plage, dans votre jardin ou dans votre lit, c'est comme vous voulez.